Et salut à toutes et à tous, ici Tisseb, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Alors, aujourd'hui, découverte de Kirby. Oui, tout à fait, Kirby. Si j'arrive à faire ce que je veux, bien sûr. Donc, on va découvrir ce Kirby, on va le découvrir en version difficile. Oui, tout à fait, difficile. Parce que voilà, parce que j'ai envie, déjà. Parce que j'ai envie, parce que j'ai testé la démo, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable, ça donne un peu de piquant à l'histoire. Kirby, les jeux Kirby ont jamais été super, vraiment super compliqués. Ça a toujours été des jeux plus techniques, on va dire, et qui nous permettent de nous amuser en mode chill total. Et voilà. Donc, on est parti. Découverte, 3, 2, 1. On y va. Activez les fonctions en ligne. Cela vous permettra de rendre vos statistiques de jeu visibles pour les autres joueurs du monde entier. Ouais, si tu veux, allez, vas-y. Je vais montrer ma médiocrité au monde entier. C'est activer la fonction en ligne aussi, hein, voilà. Allez discuter avec Waddle Dee et Rudy pour accéder à des statistiques globales sur le jeu et comparer vos résultats à ceux des autres. Très bien. Alors voilà, on arrive sur la difficulté. Donc, soit le mode brise, accessible à tous, grande barre de santé, idéal pour les débutants. Difficile, plus de défis. Beaucoup plus de pièces. Tout pour la thune. Allez, tout pour la thune. S'il y a des gens dans le coin, vous me dites si le son du jeu est assez fort. Oh, ses yeux, j'adore. Et on est parti. Alors, on a notre petite barre Kirby un petit peu en... peut la remettre? Tout le menu est un petit peu en diagonale là. Abandonner pouvoir sur Y, sauter sur A, attaquer sur B, utiliser l'option stock et aller R pour se protéger. Ouais, non.
Auto-avaler active. Oui, bon, de toute façon, Kirby c'est un goinfre, hein. Il est là pour bouffer. Ça sert à quoi les amiibo? Si vous avez un amiibo, vous pouvez l'utiliser pour obtenir un objet en stock, des pièces étoiles ou d'autres objets, d'autres choses encore. Ouais, donc du coup là je peux changer la difficulté. Je peux lancer la coop si j'ai deux manettes. Je suis désolé, mais juste le pute 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 pute, c'est trop plaisant en fait. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai reçu le jeu jeudi, hein, une journée en avance. Et alors, de manière non officielle, voilà, je le dis, c'est pas grave, j'ai attendu une journée et j'ai dû attendre une journée de plus puisque j'ai eu des problèmes pour le stream hier. Alors, ce niveau-là, je le connais, je l'ai fait dans la démo. Peut tomber ou pas? Non, apparemment pas. Une cerise. C'est bon les cerises. Je peux pas essayer d'avaler ça. Ok. C'est plaisant d'avoir un vrai Kirby en 3D quoi. Parce que des Kirby dessinés en 3D, ça existe. Mais où le déplacement est en 3D, donc en monde ouvert, c'est le tout premier. C'est le tout premier. S'il n'y a pas une pierre là cachée, là. Là, là. Ah non, c'est un vrai caillou. En tour en me déplaçant. Oh, oh j'adore. T'es cru où toi? Hein? Le pouvoir des bombes est super bien.
Il bouffe la voiture. Moi j'adore, c'est comment Kirby se prépare au combat, genre je vais te mettre plein de tatanes, et au final en fait il fait cavaler. Qui a jamais rêvé d'avoir une voiture sautante? Franchement. Oh là là, quel destructeur ce Kirby. On m'arrête plus, j'ai le turbo enclenché jusqu'à la fin de ma vie. Ok. C'était violent. Oh, ce tas de pièces, je suis à 120. 170, 50 pièces d'un coup. Des choses pas top qui se passent. Ah, c'est trop tristesse. Je t'aimais bien, petite voiture. Attends. Transmorphé. Il y a des pièces en poussant les petits cailloux. Ah, si tu pousses une bombe sur une autre, ça les fait exploser. Si je charge. Ok.
Les Waddle Dee, c'est comme ça. Comme ça qu'on dit. Ils se font choper. Samuel. Allez, c'est parti. Libération. Heureusement qu'on est en difficile, hein. C'est le niveau tuto, faut pas s'en plaindre. Bon, c'est bon, je me casse. Salut. Oh, il y a des trucs à pousser pour faire des pièces. Sauvé, je t'en remercie. Mais que vont devenir les autres? Les Waddle Dee ont tous été capturés et emmenés je ne sais où. Nous avons combattu ces bêtes aussi vaillamment qu'on a pu, mais il en arrivait toujours d'autres. Maintenant, je suis le seul rescapé. Il faut que j'aille les sauver, je n'ai pas le choix. Oh, son chapeau de bomber, il est magnifique. Quoi? Tu vas m'aider à sauver tout le monde? Mais c'est formidable. Alors, tu t'appelles Kirby, c'est ça? Moi, c'est Elphilin. Ravi de faire ta connaissance. Tiens, je te bombe! Mais tiens, je te bombe encore! Hé, hey, Kirby! Sélectionnez jouer en coop dans le menu de pause et J2 contrôlera Bandana Waddle Dee. Jouer et progresser ensemble. J'ai été inspiré par ce vortex apparu au-dessus de la planète Pop. Si jamais tu veux qu'un second joueur se joigne à toi, fais-moi signe, je serai toujours prêt. Ouais, bah je suis tout seul. Voilà. Natura plena. La plaine naturelle. Après, c'est un désert. Plaine urbaine. Ouh là là, il y avait un truc là. Hé hé hé, des tunas. Là aussi, il y a de la tunas. Non, pas de tunas par ici. Triste. Moi je parie, voilà, on a un niveau ici, je parie qu'il y en a un là, peut-être un niveau caché dans ce bâtiment, un là, oh, un là, c'est obligé, il y en a un là, caché dans les petites ruines. Et ensuite ça doit être un boss, oulolololala, hop là, la tunasse, voilà. Là c'est la suite, on va avoir un désert juste derrière. Ah, je viens de voir en bas à droite 0 sur 46 Waddle Dee libérés. Je vais aller voir au village. Il doit y avoir personne, normalement il n'y a que le bandana. D'accord. Donc le village pour l'instant c'est que ça, c'est la zone où j'ai libéré Elphilin.
Donc, terminer le niveau, sauver 3 Waddle Dee cachés. Et il y a aussi 3 autres trucs à faire. Ah, un caillou. Mais il y avait bien une place dedans en plus. Mec, t'as des yeux. Tu pourrais voir qu'il y a une bombe quand même sur ton chemin. Massacre à la bombe! Nickel. Oh, faire s'épanouir 5 tulipes. Ça, c'était un des défis cachés. Bien avec les bombes, hein. Oui, y a un truc là. Bah, j'ai trouvé une tulipe cachée. Allez, la première était bien visible pour dire ah là t'as découvert le truc, mais les autres bien planqués hein. Ah, je peux pas me faire exploser par mes propres bombes, ça c'est cool. Boum 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 boum. Désolé. Je viens de me retenir 2 jours de jouer à ce jeu, putain ça fait du bien. Se transforme en Morphée. Yeah, bombardement de canettes, distribution générale. D'accord, si elle casse rien, je peux les récupérer. C'est cool. C'est même très très cool ça. Attends, je pouvais casser ça normalement. Oh la tunasse bien cachée. J'adore. L'idée du transmorphage, elle est géniale. Là, je peux pas y aller. Et là non plus. Ce machin. Ok, je récupère un œuf surprise. J'ai récupéré le cadeau d'un œuf Kinder, là. C'est bon. Non mais. Pas de drap rouge pour faire le torero, alors je suis désolé. N'hésitez pas à me dire si le son du jeu ou le son de ma voix est pas assez fort.
Normalement, ça devrait être bon. J'ai fait un test ce matin. Ça m'a retiré la mienne. C'est cool, Dieu, on pète les caisses, ça, du coup ça met les canons hors d'état. Est-ce que je peux pas ça? Attends, c'est quoi le délire? Je peux me transformer en quille de chantier? Oh, c'est cool. Attends, on se calme là, hein. Non mais... La bouffe et des pièces, j'adore. Il m'aurait transformé en marteau piqueur, c'était pareil. Boum, 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 boum. Ouf. Il est mort? Ah oui, il est mort. Puis est-ce que j'ai mis au taureau? Je pensais pas, je me suis lancé, je me dis eh merde, je vais prendre un coup, je vais perdre mon truc. Mais bon. Troisième tulipe. Ah, ça passe bien par en dessous. Hein. Et une canette. Ça se pète ça? Ah ouais, ça se pète. Ok. Merci. C'est le deuxième cadeau Kinder que je récupère. Ils l'ont trop bien réussi leur Kirby. Enfin, c'est ce que je pense tout de suite, après on verra, hein, mais... Là, pour l'instant, il est génial. Hein. Moi, je m'éclate en tout cas. Au revoir, petite fille. Non, je veux pas. Ok. J'arrête. Charlie, Waddle Dee! Moi je suis bien avec les bombes. Je reste avec les bombes ou je teste quelque chose d'autre? Les gens qui me regardent dans l'ombre. Non? Vous voulez pas parler? Bon, allez, je reste comme ça. En fait, rien que de le toucher, ça me... Ça me fait des dégâts. Attends, je peux le récupérer? Bah allez, je reste avec l'épée, pour changer un peu. Salut Geek, comment vas-tu? Tiens, tant que t'es là Geek, tu peux me dire le son du jeu et le son de ma voix, c'est bon là pour les deux mélangés?
Je l'ai eu. Calme-toi. On est une carotte. C'est bon les carottes. Surtout râpées avec de la sauce. Parfait, les deux sons impeccables. Je te remercie. Bah écoute, si tu vas mieux, tant mieux là. Donc c'est passé. T'es toujours en arrêt ou t'as repris le taf? Oh, je l'ai défoncé le truc. Toi viens là, à moi. Et Waldoldi, c'est mes amis à moi. Ils sont pas en cage. Non mais. C'est quoi cette tortue là-bas? Ouh, le gigot, miam. Il y a une tulipe là-bas. Ah, t'as repris jeudi. Ouais, donc t'as déjà repris du coup. Si t'as repris le taf, c'est que ça allait assez. Enfin, j'espère pour toi en tout cas. Non, moi je suis content parce qu'en fait j'ai voulu. Alors je me suis super énervé hier soir parce que je voulais stream ce jeu et ça marchait plus. J'avais le son complètement bugué, je pouvais pas le stream. J'étais dégoûté. Sachant que le jeu, en réalité, je l'ai depuis jeudi. Il est sorti hier, mais je l'ai depuis avant-hier. Voilà. Merci de la livraison qui arrive trop tôt. Wesh! Attention avec elle, là. Vite, vite. D'accord, elle nous fait ça. Encore un cadeau de Kinder Surprise, là c'est le troisième, je sais pas ce que ça sert. Ben oui, parce que le son était saccadé hyper douf, là ça marchait pas quoi. Et la cage d'or. Ah ouais, il y en a trois dedans. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. J'en ai sauvé 9 d'un coup. Allez. Ouh. J'ai eu un jouet Kirby. Kirby transformé en réservoir, ok. Donc du coup ça fait deux foutus jours que j'attends pour jouer à ce jeu.
À présent, accès à la collection de figurines. Vous pouvez y voir toutes les figurines que vous avez obtenues. Essayez d'avoir la collection complète. Ah, il y en a 79. Pourquoi là il y en a avec un point d'interrogation plus foncé? Chelou. Y pour les niveaux. Ah oui, je peux accéder directement au niveau comme ça. D'accord. Alors ça fait quoi? Ah, ça fait qu'ils ont commencé à reconstruire le village maintenant qu'ils sont neufs. Bah en fait, je sais pas pourquoi j'ai relancé ce matin, ça marchait. Les Waddledees se sont mis à reconstruire le village, sauvez-en autant que possible pour avoir accès à de nouveaux bâtiments et à diverses ressources utiles. Moi ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a déjà des PV dans un coin alors. Cinéma Waddledee a ouvert ses portes, vous pouvez y revoir sur grand écran des scènes mémorables de votre aventure. C'est cool. Ça va, Bandana? Je cherchais partout mes amis quand j'ai vu une drôle de voiture rose passer à toute vitesse. La voiture rose, c'était moi. Tu semblais avoir la bouche très pleine. Ça va? Tu sais, Kirby, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre ou la bouche. Donc là, il me faut 50. La 60, la 50. Est-ce que quand j'en ai 50, ça en débloque qu'un seul? C'est une bonne question, ça. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'ici, j'ai... ça pour me remettre des PV. Normalement une tomate ça met 50% des PV. Ou peut-être plus hein, là, vu qu'on est en difficile, j'en sais rien. Peut-être moins. Waddledee ouvreur, bienvenue au cinéma Waddledee. Tu veux venir y voir toutes sortes de films. Tu te demandes peut-être pourquoi nous avons commencé par construire un cinéma, et bien c'est parce que les divertissements, c'est essentiel. Alors ça c'est l'intro. Oh, non, ça c'est les crédits. L'intro, la transformation en voiture, le bienvenu dans le jeu, le kidnapping des Waddledee, le combat dans le village. Et la rencontre avec Elphilin. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai. D'accord. Bon, c'est toutes les cinématiques que j'ai eues en fait depuis le début. Ils m'ont même fait une petite plateforme sous l'étoile. Ouais, donc je suis en train de penser là le 46 Waddledee. Hein, 46, c'était pas 48 tout à l'heure? Enfin, bref, le 46, à mon avis, c'est ceux qui sont dans cette zone-là. Alors, terminer le stage. Ah, il y a 3 missions, comme dans l'autre, mais sauf que cette fois, des Waddledee cachés, il y en a 4 et non pas 3. Franchement, pour un premier Kirby en 3D, ils ont bien géré. Hein. Oh! Ça je veux tester. À moi! Oh la vache, tu te transformes en météorite. Trop bien!
C'est de faire attention parce que je sais que les pouvoirs transforment des fois et donnent des possibilités qu'on n'avait pas avant. Allumer 4 interrupteurs lampes. Oula, c'est quoi ça? Ah non, c'est pas un pouvoir. Je me demandais si je me transformerais en ressort ou un truc comme ça pour sauter plus haut. La lumière ici. C'est moi. Oula, j'ai failli finir dans le vide. Avec mes conneries. Transformer en bouboule. Allez, je te fracasse. Genre, vous y avez cru. Allez, un premier de délivrer. Non, je suis allé trop loin. Boulet. Il semble pas qu'il y ait quelque chose sur le côté. Faut bien garder le pouvoir de la flamme pour bien pouvoir allumer les torches en fait. Oh, l'interrupteur caché qui nous est indiqué par là en activant la lampe. Cool, j'adore. Il va falloir que je fasse attention, hein, parce que j'ai mis le jeu en difficile, du coup... Pas que je fasse de bêtises. Ah,
Hop là, j'ai eu les 4. Tellement de passages cachés. Hop là, un deuxième. Bon, le niveau va être en 4 parties du coup. Enfin, je suppose. Attends, attends, attends. Elle est où la mèche? Les enfoirés. Il était bien caché celui-là, enfin bien caché. Bah j'avais fait la démo en fait, déjà geek. Je l'avais fait en facile. Et bon ça allait. Et la barre de vie en fait, la barre de vie est deux fois plus grande en facile et les dégâts sont moins importants. Ah, on est ressorti à la lumière. Parce qu'il était plus gros, il mourrait facilement. Non, mais... Ah, je peux pas l'avoir celle-ci. Ah, si, comme ça. Je viens de me transformer en escalier. Hein. Je dis ça, je dis rien. De l'endroit où tu avances, tu bascules. On se calme. C'est à la fois bintard et sympa ici. Putain les bâtards. Les ultra bâtards. En train de me demander si la mèche sera arrêtée par l'escalier, bah oui, elle l'est bien. Donc du coup c'est très bien fait. À moi.
Ouais, parce que là en fait c'est pas utile avec l'escalier, on peut suffisamment voler pour passer là. Attends. Il y a un truc que j'ai pas fait encore, un défi. J'aurais pas 100% celui-là. Pas du premier coup en tout cas. Retirer l'avis de recherche. J'ai même pas vu d'avis de recherche. Oh la torture. Un canon. Donc quand on finit un niveau, ça nous donne les défis. On peut se le refaire à l'arrache, hein, en vrai. Ah, du bonus. Ah, là aussi. Je vais me le refaire en vitesse. Retirer la vie de recherche. Je suppose qu'il me faut le... J'ai pas vu d'avis de recherche. Ouais. S'il y en a un qui voit l'avis de recherche, il me dit stop tout de suite, hein. Ah oui, les cages, elles y sont toujours, mais ça donne des pièces à la place. Ça, c'est cool. Là là, doucement. On va pas dans le vide. Avis de recherche, avis de recherche. Ah oui, cette avis de recherche.
peux en choper plusieurs. Ah merde, j'étais dans le trou. C'est le moment de reprendre des PV, hein. Je suis en train de le refaire en speed, hein, je suis désolé, mais je cherche un avis de recherche. Visiblement pas là. Je l'ai raté où cet avis de recherche? Pareil, c'est un endroit avec l'escalier. Bonjour aux gens qui arrivent. Rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de parler. Ah, ça doit être ça. Et ben voilà, j'ai trouvé. J'ai plus qu'à refinir le niveau. Je les ai esquivés, mode Osef. Terminé en mode ouragan. Mais bien sûr, je l'ai terminé en mode ouragan. Alors, pour info, le mode ouragan, c'est le mode difficile. Voilà, ça vous êtes au courant.
ramassage de trésors par lancer et reprise. Sympa comme niveau, j'aime bien le principe. J'aime rare gagner. En moins d'une minute, hein. Attention. Rigole pas ici. Avec les bombes maintenant. Triple strike sur les interrupteurs. Bien ces niveaux, ça fait travailler sur les capacités de la transformation, c'est cool. Je vais le refaire, je vais essayer d'avoir les 30 secondes. Je les ai eu là. Ouais, 26. Plus 50 pièces. Trop bien. Ça fait déjà une heure qu'on est dessus. Oula. Ça détruit les plantes, d'accord.
bien luxuriant ici. Wow. Se calmer le tireur d'élite là. Ah, j'en étais sûr. Oh, une baguette. Manger les aliments sur des aliments sur trois souches. Non mais... Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un défi de tirer sur les cibles, mais bon, comme là c'est indiqué, je pense pas. C'est vrai que ça serait trop facile. Mais lui il est pas sur une souche. Bon alors Geek, ça te donne envie de l'acheter le jeu? Cage, un aliment sur une souche et un objet actif que je connais pas. Nice. J'adore vraiment ce qu'ils ont fait de ce Kirby.
Et voilà le troisième. Ah, j'ai pas appuyé sur interrupteur. Je suis dégoûté. Je suis sûr que c'était ça le dernier défi. Aïe. Je peux casser les boules. Non. J'en ai raté un, hein, putain. Oh les bâtards. Oh le dernier défi c'est des bâtards. Rouler sans partir dans le fossé. Aïe aïe aïe. En fait il faut être super prudent sur la fin du level. Bye bye. Ah, des nouveaux défis. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, n'est-ce pas? Tu m'embêteras pas. Des pièces mais on va les récupérer quand même. Il
Les niveaux sont très courts en vrai, hein. C'est que la première fois qu'on les fait, on fait attention pour bien tout chercher, mais après... Allez, c'est parti. Yes. Voilà. Et le hot dog qui fait zizir. Y'a un tas de tunas à l'intérieur, je l'ai vu! La deuxième fois, il est fait beaucoup plus rapidement quand même. Aïe aïe aïe. Oh bandana, Waddle Dee. Une 20. On va tirer des canettes. Ça va être cool. Heureusement qu'il file un paquet de canettes, hein. J'adore ce niveau. J'ai juste envie de le refaire là en vrai. Zut, j'ai eu l'objectif. Dommage. Sinon j'aurais été obligé de le refaire.
cours s'enflammer. Oh merde. L'idiot qui oublie de détruire la caisse. Ouais, si tu veux gagner du temps, pardon pour le coup sur le micro. Si on veut gagner du temps, en fait, il faut... Faut allumer la mèche et ensuite péter les caisses au fur et à mesure qu'on avance. Oui, et comme je suis en mode ouragan, donc en mode difficile, ça me donne des pièces supplémentaires à chaque fois, mais ça j'avais pas capté. Ouais. Étoile orange, ça doit être la difficulté, je pense. En moins d'une minute, tir à volonté sur des cibles éloignées. D'accord. C'est du tir visé ou c'est du tir pas visé? C'est ça la question. Je me suis fait chier avec les mobs. Je le refais. C'est bien. S'il y en a qui ont des questions, ils n'hésitent pas sur le jeu, sur autre chose, sur les streams, sur les vidéos, sur les quelque chose. Je sais pas si je l'ai eu. Si c'est bon. Faut ignorer les mobs en fait, faut tirer les cibles en esquivant les balles.
Encore 10 à sauver. Bienvenue au centre commercial, mes amis. On va faire des courses, on est heureux. C'est faux, faire les courses c'est chiant. Obligé, il va y avoir un distributeur de canettes. Non mais... Ah, on peut péter ça? Il y en avait par là, je crois. Merci pour les pièces. Ah d'accord, je me suis fait chier monter là alors qu'il y avait un escalator. Merci le mec qui regarde pas ce qu'il fait. Cette transformation-là, elle s'appelle Explorateur. Ok. Pourquoi pas, hein? Ah, d'accord, c'est que entre le moment où je tire et le moment où... Le moment où je tire et le moment où je m'envoie, où j'essaye de me gonfler pour planer, en fait il y a une petite latence. Boulet, j'ai même pas pris ça.
Et à quoi ça me sert de savoir qu'il y a un burger par là, là? J'arrive pas à savoir si c'est la suite. Ou pas. Je peux ressortir là. Salut Priscilla. Comment t'y vas tout de suite, voix sexy? Je suis calme là, hein? Oh, un burger et des frites. Et plein d'autres burgers. Oh, aïe aïe aïe. J'ai envie de me manger un burger maintenant. Pas bien. Maintenant, je crois que je l'ai carrément sorti du décor. Oh! Merci. Je vais regarder dans l'autre. Tu décroches plus de Tinitina. Tu vas faire que ça de ta journée, de tes journées maintenant alors, ainsi. Encore un piège. Ah, t'as pu prendre le DLC du coup, Quincy? Ils ont deux faces comme sur Kirby Clash. Ça. Je pense que c'est que de la glace là.
Oh, tous les coups, fallait péter la caisse, il y avait un truc dedans. Genre un truc comme ça. Non. Voilà. Apparemment, j'en ai moqué aucun. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai fait aucun défi hein, pour l'instant. Bénisse le deuxième. Ah si, j'avais fait manger une super sucette. Ok. Par contre, j'ai une interrogation. Voilà. Hop. Le déplacement est plus rapide avec le... Pas taper, Kirby... si, un peu quand même, hein. Bah bon, après, voilà, c'est, je te l'ai déjà dit, hein, Princy, chacun son type de jeu. Moi j'adore Kirby, Geek si elle est toujours là, je crois qu'elle aime beaucoup aussi. En tout cas elle a dit qu'elle était hype par celui-là. Ah non, je peux pas retourner en arrière là. J'aime bien glisser avec Kirby glace. Non mais je te détesterai pas pour ça, Princy. Chacun son style de jeu. Hein. Je vais pas forcer les gens à aimer ce que j'aime et ils me forceront pas à aimer ce que j'aime pas. Hein. Ouais. Ce qu'ils aiment. La glace sur le côté. D'accord, le bon chemin il est là. Entre le truc et la glace. Ok, c'est entre le hot dog et le gâteau. Là.
Moi, je l'ai eu. Ah non, cette fois c'est... Oh purée, c'est un cul-de-sac. Ça veut dire qu'il y a une cage que j'aurais pas. Ok. J'ai expulsé carrément le mur en entier. Aïe, aïe, aïe. Enfin, j'ai explosé le mur en entier. Ah oui, je peux transformer en armoire, en conne plastique. Traverser tout le centre commercial, ça c'est garé. En conne en plastique pour la route, en voiture, en distributeur de boissons, en distributeur de canettes. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme transformation, chelou? Bye bye. Les Waddledy vous ont aidé à ouvrir le portail qui vous empêchait de passer. Aventurez-vous dans ce stage et allez défier le boss qui garde ce territoire. On va essayer de traverser tout le centre commercial sans s'égarer et d'avoir le dernier. De manger 4 beignets aussi, j'ai pas réussi à manger 4 beignets. Ce qui est bizarre. C'est pas du beignet. Je t'ai eu. J'aime bien parce qu'il y a plein de cadeaux pour les Duffkinder là, qui sont planqués partout.
Allez, le premier beignet était là. Pas de soucis avec ça. Yahoo! Ah bah les Borderlands, de toute façon, ils sont délire au possible. Hein. Ça, tu peux en être assuré. Donc il faut choisir la voie du burger. Burger, c'est celle-ci. À moi. Attends, je fais un peu plus de frites. Merci. Il est mort de brûlure pendant qu'il me chopait. Oui, le beignet là, vite. Je suis sûr c'est un beignet. Même pas, c'est une pièce. Je suis déçu. Tout ça pour une pièce. Que le deuxième beignet, ça. Je suis sûr que j'en ai raté un. Thank you.
Ok, nice. Si je tue tout le monde ici, ça fait quelque chose. Donc déjà j'ai la dernière cage. Et je suis sûr qu'il y a un beignet dans le coin. Voilà, et j'en ai oublié un, c'est dans la deuxième zone. Qu'il y en ait un caché ici. Oh, je connaissais pas ça. Je dois double clic mon bouton d'attaque. Enfin, double appuie mon bouton d'attaque. Ah mais moi les anniversaires je les oublie tout le temps, Prince. Moi faut pas me demander de les retenir. Allez Kirby, fais péter le mur. Oh mais non, le dernier béni il est là, c'est bon. Ça, quand on n'est pas doué pour, quand on n'arrive pas à retenir les dates, on n'arrive pas à retenir les dates, hein, en vrai. Que ce soit l'anniversaire de quelqu'un qui on tient ou pas, c'est pareil. Avis de recherche. Les Waddle Dee sont tous sauvés. Magnifique. On s'est obligé. Ouh. 3 étoiles. Bah tiens, quand je parlais de transformation en cône de route.
Ah, il n'y a pas beaucoup de temps pour celui-là. Mais je crois bien que je l'ai pas eu parce que je me suis un peu foiré à un moment. 45 secondes, j'ai fait 49. Ah, ça c'est pas de l'égout ça. Bon, j'ai eu l'étoile du coup, mais j'ai pas eu le chrono. Kirby et Piggy 18? T'es sérieuse? Ah non, tu veux dire s'il était Piggy 18 en avalant n'importe quoi comme les objets que tu trouves dans Cyberpunk, ouais d'accord. Normalement, je dois être bon, je pense. 37, ouais. J'avais fait 5 de trop, maintenant j'en ai fait 5 de moins. Ah ouais, il y a du fail, même dans Kirby. Mais Kirby s'arrête de chill. Patinage sur glace. Allez, rentre dedans. Je pense que je suis pas trop mal. Objectif 40 secondes. Ah ouais, quand même. Faut que je le refasse. J'espère que j'y suis arrivé. Toujours pas.
J'ai peut-être une idée. Faut rester en truc de glace dans les pentes pour aller plus vite. Faut le comprendre ça, hein. Je disais tous à nature, à la plaine naturelle. Ok. Ça m'étonne pas, Princy, qu'elle soit intéressée par Kirby. Je suis à 39. Désolé. Alors moi ta Switch, parce que t'as bien une Switch, hein, tu me disais, Princy, qui te sert pas à grand chose. Alors, terminer le stage et il y a 4 défis. Ok, c'est parti. Il y en a un, je suis sûr, c'est faire le boss sans se faire toucher. On parie? C'est déjà mal barré, je me suis déjà fait avoir. Qui veut des bananes? Ah, il y a du choix. Dans un centre commercial, après tout. J'adore les gros yeux qu'ils lui font, je kiffe.
Gorille Colosse. Tiens, prends ça. Et ça. Ah, il m'a mis une baffe. T'en venais en 2 minutes max. Ok. J'ai pas fait exprès, hein. Je l'ai juste défoncé. Ça te révèle qu'un seul défi. Ça, c'est intéressant. C'est cool. Bye bye. Le distributeur de surprise volume 1 est disponible. Actionnez le levier pour obtenir une figurine. Essayez de ramasser toute la collection. L'armurerie Waddle Dee a ouvert ses portes. Allez-y, faire un tour pour renforcer la puissance de vos pouvoirs. Et les 3 qui me manquent, ça fait bien les 46 de la zone. Allons lui rendre visite. Je peux aussi t'aider à faire évoluer ses pouvoirs pour les rendre encore plus puissants. Ce plan que tu m'as apporté contient des techniques incroyables. Nous pouvons nous en servir pour faire évoluer ton pouvoir.
Autant de vie qu'un boss, toi! Tiens, 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 tiens! Dommage, j'aurais bien aimé faire remuer l'huile. Ah, voyons voir ce qu'il me faut là pour ça. Il te faut suffisamment de pièces et de gemmes rares, d'accord. Il tape sur des flammes avec son marteau. Je vais aller battre le boss avec ça, juste pour rire. Désert plus oasis. Ok. Enfin, non, c'est pas désert, c'est plage. Pardon. Alors voyons voir. Le but c'est de finir le premier monde à 100%. Hein. Hop là.
Bon, j'ai le passé entre les jambes. Les deux autres, c'est quoi? On va découvrir un seul, je suppose. Le vaincre avec le pouvoir épée. Ok, c'est parti. Défi accepté. Bye bye. T'inquiète pas, j'arrive petit. C'est vrai, il va faire sa tornade là. C'est pas plus compliqué que ça avec les pays. Le mec qui fait le malin, il va tomber sur un boss, il va se faire défoncer. Le dernier terminé sans subir aucun dégât. Et je l'ai réussi sur l'épée, celui qui est au corps à corps. Avec les attaques de distance, j'ai pas réussi. Bon, et ben voilà. Premier monde terminé à 100%. Aller faire un tour dans l'autre zone, voir si je trouve des défis déjà ou des zones avec des pièces. Ah 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 ah. Pièces. Ah, un défi. Oh, avec l'escalier. Là, c'est un autre défi. Trésor normal. Sans aucun pouvoir, je suis sûr.
T'as un niveau là, un niveau là, un niveau là, et un là, ça fait 4 niveaux. Il y avait combien de niveaux dans le premier? 4 aussi, plus le boss. Non, c'est pas ça que je voulais. Ouais, c'était ça. Ravage invincible. Bref, voilà, voilà. Je vais arrêter ce stream ici. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire un... Kirby, c'est cool, c'est chill, c'est tranquille. Je vais pas forcément m'acharner à faire des longs streams dessus. Je pourrais un stream encore pendant encore 2h, 2h30. Mais je pense que je vais plutôt... Oh purée, c'est un parc d'attractions derrière. Je veux qu'il y ait une grande roue. Oh, ça serait cool. Je vais pas m'acharner dessus. Je passe d'un sujet à l'autre. Je vais pas m'acharner dessus. Je vais tranquillement m'arrêter là. Je pense que je ferai un monde à chaque fois, mais je le ferai à 100%. Ça fera des streams plus petits et... Et tranquillou, voilà. Alors, je vais vous envoyer... Alors, chez qui je vous envoie? Chez qui je vous envoie? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a Aero qui est en train de galérer. Bon, on va de toute façon j'ai que Aero en fait. Ah, ou sinon on peut chercher du Tintina pour Princey. Y'a qui fait du Tintina? Ok, bon bah dans ce cas-là, on va se contenter de Red Aero, hein, qui est en train de galérer sur sa run moustache sanglante. Donc merci à Prince, merci à Geek d'avoir été là, merci aux autres viewers de l'ombre d'avoir été là et de m'avoir regardé. Merci à vous. Je vous souhaite un bon samedi après-midi et à la prochaine. Salut, salut!